Pour le prix et pour l'exposition du prix, ce qui me semblait vraiment essentiel et ce que je voulais montrer au centre, c'est vraiment peut-être deux facettes de mon travail qui le structurent, qui le composent, qui sont le film et la peinture. Et vraiment de pouvoir créer un lien entre images fixes, images en mouvement, entre des rapports de continuité, des rapports de discontinuité. Donc un élément comme ça de rupture entre deux régimes d'exposition, entre l'espace blanc, l'espace noir et la circulation entre les deux. Donc l'espace a été divisé en deux. Il y a un espace qui présente une séquence de peinture, quatre peintures, qui ont un titre générique qui est Feedback Loop. Et un espace film, un espace noir, la black box dans lequel on rentre, qui crée vraiment une circulation, un parcours, et dans lequel on voit une installation filmique. Le spectateur, ou peut-être je préfère le terme d'observateur, a une place centrale dans le travail. Il est vraiment un élément constitutif dans le sens où je m'adresse à lui et je lui montre des images qui souvent lui donnent un retour sur sa position physique dans l'espace, sa position sensible, c'est-à-dire avec des fois des images qui peuvent créer des stimuli très forts ou des perturbations ou des sortes d'interférences. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment aussi une manière de le faire interagir sensiblement, physiquement, en activant une forme de présence à soi dans un lieu. L'idée de boucle est vraiment l'idée d'un motif et d'un rapport de structure. C'est qu'à la fois on l'envisage tout de suite comme une image, comme même un mode de représentation, mais on peut aussi l'imaginer évidemment comme structure, c'est-à-dire la mise en boucle d'une image, la répétition d'une image, la répétition d'un mode de circulation dans un espace. C'est un retour sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Pour moi, il est à la fois structurant, il est à la fois motif, image, mais c'est aussi une manière peut-être de parler de questions de représentation. La question de perception, elle peut être soit très générique, c'est-à-dire interroger le regard, le mode de fonctionnement du regard, mais aussi la manière dont peut-être on articule, on amasse un certain nombre de connaissances, de savoirs qui font que ça va interagir aussi avec notre manière d'appréhender et de voir un objet, une image. Il est souvent question de temps. Si la boucle est présente, c'est aussi pour cette relation au temps. Et donc, peut-être plus que la perception, il s'agit aussi d'attention et de régime d'attention.